Salut à tous et salut à toutes pour une nouvelle pensée hors série. Alors dans un cadre un peu spécial parce qu'à la base je voulais tourner un flash, mais j'avais oublié que j'avais pas écrit de flash, sauf un d'ailleurs, parce que c'est un flash qui était très long. Enfin bref, du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, pain au chocolat ou chocolatine ? Alors, en soi, pain au chocolat ou chocolatine. Si je mets de côté, on va dire, mon orgueil sudiste, je dirais pain au chocolat. Pourquoi pain au chocolat? Parce que ben, c'est tout simplement ce qui est le plus répandu. Donc, généralement, dans la langue, ce qui est le plus répandu, c'est ce qui se fait en matière de langue. Donc, ce qui va arriver à des dérives, par exemple, dire meuf, ben, ça va être dans le langage normal, alors que c'est juste du verlan. De femmes en fait. Oui, on arrive à des aberrations, mais bon, c'est comme ça qu'évolue une langue. Mais en même temps, pain au chocolat. Moi, quand je pense pain au chocolat, je me dis que le chocolat, enfin, que c'est le pain qui a du chocolat incorporé, comme par exemple un gâteau au chocolat. Le chocolat est dans la pâte. Or, dans un pain au chocolat ou dans une chocolatine, ben, le chocolat, ben, il est à l'intérieur, il n'est pas mélangé à la pâte. Il est mis en même temps, mais c'est après. Ce qui fait qu'on arrive aussi à des aberrations, comme par exemple pain au raisin ou d'autres. Du coup, je dirais qu'au final, que ce soit pain au chocolat ou chocolatine, on s'en branle, non? Honnêtement, on s'en branle. J'ai envie de dire, on se comprend tous. Je vais dans le nord, je dis chocolatine, on me comprend. On va dans le sud, on dit pain au chocolat, on se comprend. Donc pourquoi se faire la petite guéguerre entre pain au chocolat et chocolatine? Honnêtement, c'est un peu débile, non? Il y a plusieurs débats comme ça qui sont complètement débiles parce qu'au final on s'en fout tant qu'on se comprend. Non, c'est... Et puis le pire c'est pas qu'il y ait des débats. Le pire c'est qu'il y a des gens qui limitent, c'est leur vie. Leur vie est faite pour que l'on dise chocolatine ou est faite pour que l'on dise chocolat. Pain au chocolat, pardon. C'est une débilité, c'est juste une expression. Si le chocolat c'était du fraise, en réalité, si le mot fraise c'était le chocolat, on appellerait ça fraisatine, pain à la fraise, ou pain aux fraises. Au final, ce ne sont que des mots, on s'en branle, c'est la même chose. Sauf que quand même, dans le sud, on fait de meilleures chocolatines.